الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد أيها المسلمون عباد الله وإن أعظم ما يكون مسؤولية في هذا الباب تربية الأبناء وتنشئتهم على الصلاة منذ أول النشأة وحداثة السن قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, il est important, il est capital de se remettre en question chacun d'entre nous sur la manière dont on éduque nos enfants. Et l'éducation première est celle de l'éducation du cœur. Enseigne à ton enfant la croyance authentique, la foi en Allah, le fait de rendre Allah Azza wa Jal unique sans rien lui associer. Enseigne-lui la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux prophètes, la foi au jour dernier et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Éduque ton enfant sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala le voit, sur le fait qu'Allah Azza wa Jal l'observe, sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala le surveille, sur le fait qu'Allah Azza wa Jal l'entend, sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait exactement son intention. Il connaît parfaitement ce qu'il veut faire. Également, éduque ton enfant sur la crainte d'Allah Azza wa Jal. N'éduque pas ton enfant sur le fait qu'il a peur de toi. N'éduque pas sur ton enfant sur le fait qu'il te craint. Ton enfant n'a pas besoin de te craindre, mais ton enfant doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala. L'enfant ne doit pas avoir peur de ses parents, mais il doit avoir peur d'Allah Azza wa Jal. C'est sur cela qu'on éduque nos enfants. C'est sur l'obéissance, sur la soumission au Créateur, et non pas sur la fausse crainte qu'il aura envers ses parents. Également, parmi les plus grandes responsabilités envers nos enfants, c'est le fait de leur enseigner la prière, de les éduquer sur la prière, de les faire grandir sur l'importance de la prière, de leur faire comprendre, de leur faire passer ce merveilleux message qu'est la prière, qu'est le fait que la prière est un lien direct entre eux et Allah tabaraka wa ta'ala, que le fait que lorsqu'ils vont prier, la prière sera pour eux un argument qui prouveront de la véracité de leur foi auprès d'Allah azza wa jal. Sur le fait de leur enseigner que lorsqu'ils prient, les erreurs qu'ils ont commis, les péchés qu'ils ont faits tombent et partent, et cela à cause de, grâce à la prière. Également, que la prière sera la cause de leur entrée au paradis, que la prière sera la cause peut-être de le manque, le délaissement de la prière sera la cause de leur entrée en enfer. C'est sur cela que nous éduquons nos enfants, et cela depuis le plus jeune âge, en les réveillant pour la prière, en leur enseignant la prière de nuit, en leur enseignant la prière obligatoire et en les incitant à faire un maximum de prières surérogatoires, en leur enseignant la concentration dans la prière, l'invocation, le fait que dans la prière ils se remettent à Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils invoquent, ils demandent à Allah azza wa jal ce qu'ils ont besoin. On se doit de les remettre en question quant au lien qu'ils ont envers la prière. Et cela, Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit dans le sens du verset, « Wa'mur ahlaka bis-salah » et ordonne à ta famille la prière. « Wastabir alayha » et accomplis-la avec constance. C'est pour cela, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, que l'enfant qui connaît la valeur de la prière depuis sa tendre enfance sera un enfant qui va vivre une vie de joie et de bonheur. وَمِنَ الْآبَاءِ أَيُّهَا الْعِبَادِ مَنْ قَصَرَ مَسْؤُولِيَّتَهُ تِجَاهَ أَبْنَائِهِ عَلَى التَّرْبِيَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَالتَّرْبِيَةِ الصَّحِيَّةِ أما التربية على طاعة الله والبعد عن الحرام واجتناب الآثام فإنه من ذلك مفرط ومضيع. وعندما يكون الأب في نفسه مفرطا في الواجبات الدينية ولا سيما الصلاة مضيعا لها فإن أبا هذا وصفه ضرره على أبنائه جسيم لأن التربية تقوم أول ما تقوم على التربية بالقدوة. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, certains parents se restreignent ou restreignent l'éducation de leurs enfants
à une éducation scolaire, à une éducation corporelle, à une éducation alimentaire. Mais lorsqu'il s'agit de l'éducation religieuse, lorsqu'il s'agit d'éduquer leurs enfants sur l'obéissance, sur l'adoration, sur le fait de s'écarter des péchés, alors là, ils sont négligents. Lorsqu'il s'agit de l'école, lorsqu'il s'agit des diplômes, lorsqu'il s'agit de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène de vie, du sport, alors là, ils sont derrière eux. Ils leur imposent même un rythme de vie. Et cela n'est pas en contradiction avec l'islam. Cela est très bien. Il y a un très grand bien dans cela. Par contre, la chose qui passe avant tout cela, la chose qui passe avant les devoirs de l'école, la chose qui passe avant l'éducation de tes enfants, dans les choses que nous avons citées, c'est l'éducation religieuse. Et malheureusement, certains qui imposent ce rythme de vie à leurs enfants, lorsqu'il s'agit de la religion, lorsqu'il s'agit de la prière, lorsqu'il s'agit des obligations religieuses, ou lorsqu'ils voient leurs enfants commettre des péchés clairs, des choses qui sont clairement en contradiction avec la religion, alors ils ferment les yeux. Alors ils font semblant de rien, sous prétexte de ne pas les brusquer, sous prétexte qu'ils sont encore jeunes, sous prétexte que je suis fatigué, sous prétexte que ceci ou que cela. Subhanallah, l'enfance passe tellement vite qu'il ne faut pas que tu sois comme ceux qui, lorsqu'ils se réveillent, lorsqu'ils ouvrent les yeux, leurs enfants ont déjà terminé leur enfance et leurs enfants ont déjà été éduqués sur des mauvaises bases. Soit de ceux qui prennent leur enfant à la racine, qui prennent leur enfant, qui prennent conscience de la base qu'ils doivent inculquer à leurs enfants. Mais que dire? Que dire que lorsque le parent lui-même est négligent quant aux obligations religieuses? Comment peut-il enseigner cela à son enfant? Comment peut-il inciter son propre enfant à faire les obligations religieuses si lui-même ne les commet pas? Si lui-même est laxiste et négligent dans cela? Et surtout au niveau de la prière, lorsque le parent ne prend pas conscience de l'importance de la prière, lorsque le parent ne prie pas à l'heure, lorsque la mère à la maison ne prie pas à l'heure, lorsque le père à la maison prie chez lui et ne prie pas à la mosquée, et cela ses enfants l'observent, cela ses enfants le voient, comment peut-il après inciter ses parents à faire cela? Lorsque le parent est négligent, automatiquement il va causer du tort à son enfant. Parce que la base de l'éducation c'est quoi? C'est l'éducation par le modèle. C'est l'éducation par le modèle. La base de l'éducation, ce n'est pas forcément toujours la parole. L'enfant, simplement, il voit son parent appliquer la religion à la maison. Cela est la base fondamentale de l'éducation des enfants. C'est pour cela que l'enfant va prendre exemple sur son parent. Chaque parent doit prendre conscience de cela. Et chaque parent doit se remettre en question sur cela. Si le parent ne fait pas d'effort dans l'adoration, si le parent ne prie pas aux heures, il ne prie pas à la mosquée. Si le parent n'apprend pas sa religion, n'apprend pas le Coran, ne lit pas le Coran, ne questionne pas sur la religion. Si le parent n'a pas de valeurs, telles que l'entraide, le partage, le respect, la pudeur, la douceur, toutes ces valeurs que l'islam nous appelle et nous enseigne. Si le parent n'a pas cela, comment veut-il inciter et éduquer son enfant sur ces valeurs? Chers parents, n'oublie pas que ton enfant va reproduire ce que tu fais. Lorsque tu es plongé, toi et ton épouse, lorsque les parents sont plongés dans les réseaux sociaux, lorsque les parents sont plongés dans les séries et dans les films, lorsque les parents, je parle des parents, sont plongés dans les jeux vidéo ou dans les matchs ou dans les compétitions, lorsqu'ils sont plongés dans cela, les enfants observent ce parent du matin au soir sur son téléphone. Les parents observent ce parent, ce qu'il regarde à la télévision, ce qu'il écoute avec ses oreilles. L'enfant observe son parent. Comment veux-tu après toi donner une leçon à ton parent si ton enfant lui-même voit que tu es plongé dans les désobéissances? Également, l'enfant t'écoute. Il va écouter la manière dont tu vas parler. La manière dont tu vas parler, les mensonges, la médisance, la calomnie, la moquerie. Également, l'enfant va t'observer lorsque tu t'énerves. Certains parents s'énervent d'une manière disproportionnée. Et lorsqu'il s'énerve, il insulte. Lorsqu'il s'énerve, que ce soit à la maison ou que ce soit dans la voiture, il insulte un automobiliste ou autre. L'enfant t'écoute, l'enfant t'observe, l'enfant regarde la manière dont tu gères tes nerfs, l'enfant regarde la manière dont tu contrôles tes nerfs, et l'enfant te prendra comme modèle. La même chose, l'enfant va regarder la relation entre les époux.
Lorsque le mari parle mal à son épouse, l'enfant va regarder. Et lorsque l'épouse parle mal à son mari, ou lorsque l'épouse attend que le mari est parti pour blablater sur son dos, l'enfant regarde, l'enfant observe. Et on pourrait prendre énormément d'exemples sur les gens d'une manière générale, sur les voisins, le comportement que tu as envers tes voisins, dans toutes ces choses-là. Ne serait-ce que le comportement que tu as envers les animaux. Dans toutes ces choses-là, tu es un modèle, un exemple, que tu le veuilles ou non. Tu es un modèle pour tes enfants. Donc sois un bon modèle et ne sois pas un mauvais modèle. Naam, la base de l'éducation des enfants. La base de l'éducation des enfants également, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal. La base dans cela, c'est le fait de revenir à Allah Tabaraka wa Ta'ala en se dirigeant vers lui et en invoquant Allah Azza wa Jal en faveur de tes enfants. Parce qu'en réalité, comme certains anciens disaient, la guidée, elle appartient à Allah. Mais le comportement, la politesse, la bonne éducation, elle appartient aux parents. Donc n'oublie pas de demander à Allah Azza wa Jal de t'aider, de te faciliter dans cette tâche. Parce qu'en réalité, tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. La réussite, la guidée dépend de lui seul, sans rien lui associer. Le garçon, la fille ne sera pas guidée si Allah tabaraka wa ta'ala ne les guide pas. C'est pour cela qu'en tant que parent, tu dois prendre conscience que la guidée ne t'appartient pas. Toi, tu es seulement une cause. Toi, tu es seulement un modèle. Fais-leur voir le bon exemple. Par contre, avant cela, invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que la guidée de tes enfants est entre les mains d'Allah azza wa jal. Ne désespère pas. Ne baisse pas les bras. Peu importe la difficulté que tu as avec tes enfants. Peu importe les angoisses et les soucis que tu as. Invoque sincèrement. Conseille-les et montre le bon exemple. Ayyuhal ibad wa min du'a'i Ibrahim. Alayhi salam. Rabbi ij'alni muqim as-salah. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ومن دعاء زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ومن دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فالدعاء أيها المسلمون مفتاح كل خير وأساس كل فضيلة في الدنيا وأخرى فلنكثر من الالتجاء إلى الله جل وعلا بأن يصلح أبناءنا وأن يهديهم إلى صراطه المستقيم وأن يجعلهم من المقيمين الصلاة وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Également, et nous terminons sur cela. Prenons exemple sur nos anciens. Prenons exemple sur les prophètes, les meilleurs êtres humains qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait exister. Écoutez parmi les invocations du prophète Ibrahim, alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait dans le sens « Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, exauce ma prière. » Également parmi les invocations du prophète Zakaria, « Seigneur, accorde-moi venant de toi, une descendance pieuse, car tu es celui qui exauce les invocations. » Regardez ces prophètes, les meilleurs des êtres humains, ils invoquaient Allah Azza wa Jal en faveur d'eux, en faveur de leur descendance. Également, parmi les invocations des serviteurs du Tout Miséricordieux, « Seigneur, accorde-nous en nos épouses et nos descendants ce qui nous réjouira les yeux et fais de nous des guides pour les pieux. » Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, par rapport à ce verset, le croyant demande à Allah de lui faire voir en son épouse, en son frère et en son proche l'obéissance à Allah. Par Allah, rien ne réjouit plus le musulman que de voir son enfant ou son proche obéir à Allah Azza wa Jal. Chers serviteurs d'Allah, l'invocation est la clé de tout le bien, la base de toutes les bonnes choses ici-bas, comme dans l'au-delà. Donc à nous de retourner vers Allah, à nous de demander, d'implorer sincèrement Allah Azza wa Jal, afin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous octroie une descendance pieuse, afin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala guide nos enfants et les enfants des musulmans vers son droit chemin, afin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous réforme, afin qu'Allah Azza wa Jal préserve nos familles, nos proches et nous préserve tous de sa colère
et du feu de l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم اجعلنا ذرية صالحة. اللهم اجعلنا ذرية صالحة. اللهم اجعلنا ذرية صالحة. اللهم اهدي شباب المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.